Pas de tatouage. Et je dis à ma petite, nous, tout journaliste qui est là, tout le monde ici, tout le monde qui attend, ferme la torture, pas de l'eau dans l'eau. Merci, c'est par respect pour financialité. Il a un bon bagage dans la rue. Alors que s'il était invité, il était vérifié, il t'a pour être une mesure de ça. Et c'est en 2020, je m'en parti chaque année. Dernier voyage juste en 2020, parce que là, ça, il est obligé de courir avec à la l'étranger. Moi, je prends connaissance de la loi sur les réseaux sociaux et également dans la presse. Ça me prend connaissance de l'IA sur le résumé exécutif, c'est par rapport. Et dans le résumé exécutif là, l'ULCC dit que les lançons d'investigation à partir de réseaux sociaux sous réseau salaire ou des chèques qui ont circulé. Il y a des chèques qui n'en ont pas même immaculé comptable. Donc, c'est peut-être ça de lancer l'enquête là. Ça a déjà été étonné, non, mais les chèques qui ont circulé sous mais on a choisi et bien faire enquête là sous chef ça. Bien sûr, c'est continuer pour dire que l'ancien enquête là, il met en commission sous place. Il met l'enquête là de concert avec direction trésor et direction immigration et émigration que nous dit DIE. Commission ça, il est pour examiner documents. Mais malheureusement, la commission Sabajan est relevée, invitée, mon idée principale intéressée, c'est moi-même. D'où question de principe contradictoire pour l'étudiant de comme ça. Je vais faire une enquête pour le principe contradictoire. D'ailleurs, l'ULCC était relevé dans l'enquête déjà. Il était relevé deux fois. Il était relevé pour le détendre et après, il était relevé pour le faire en confrontation. En façon, pour le décaler, disons pas. Mais l'ULCC est révélé pour la question de l'ONA. Mais dans le cas de ça, il m'a jugé pour ni révéler, ni informer, c'est juste rapport que nous tendons. C'est ainsi que l'ULCC, dans des démarche d'affaires, il arrive à la conclusion, vous le dites que vous avez ce point, pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Nous-mêmes, nous pensons que par rapport à matraquage politique d'affaires, il est important pour nous répondre point par point de ça qui est écrit là, pour nous éclaircir la situation, parce que toute la question c'est le matraquage politique. Je dis tout le monde et je vais expliquer chaque point que l'ULCC est écrit. Il dit que Mme Carmen Cantat a reçu des chefs du trésor public. Bon, article 26.e, qui veut dire ça? Des règlements du Sénat, de loi Sénat, il dit que dès qu'un sénateur est élu, eh bien, il y a droit à frais mensuels ou bureau. Bureau qui est Port-au-Prince et bureau qui est dans le département. C'est loi Sénat qui dit ça. Et bureau Sénat, avec conférence des présidents qui fait, il dit que le sénateur n'a pas une question à un monde de confiance qui pour gérer le bureau. Yo. Il a fait budget Sénat, il met une ligne budgétaire pour 30 sénateurs pour que sénateurs, chaque sénateur qui a reçu un chèque, ça va pour gérer le bureau à partir de ligne budgétaire. Et non pour Baila, il doit signer par ni président ni questeur, c'est questeur signé, président validé, et vous pouvez voir un rapport ça et contrat ça. Non, pour des comptes qui doivent valider. C'est la procédure ça fini dans l'ligne budgétaire ça. Il y a chaque sénateur un chèque de 300, alors chaque bureau sénateur un chèque de 350 000 gouttes pour gérer personnel qui n'a plus le droit. Mais 350 000 gouttes là, c'est brut. C'est 244 000 gouttes qui net. Ça veut dire 30 sénateurs. Recevoir avec mon lieu de signer un chèque de 244 000 gouttes pour payer
membres qui n'ont plus haut. Moi, je voulais insister sur ça pour dire deux manières. C'est tous 29 sénateurs qui recevront chèque ça par rapport à coordinateur bureau. Et ça a étonné nous que l'enquête ça a fait pour le matériel. Peut-être qu'il n'y a pas trouvé aucun autre sénateur pour demander ça. Justement, est-ce que vous-même, vous gagnez? Et vous va garder au moins plus de 29 sénateurs, sur environ 29 sénateurs, et au moins 20, que le monde de confiance, il y a bien de parenter avec. Donc, moi j'ai étonné de vous garder, moi Belgian et SSC traité un dossier qui définit la procédure du Sénat, la ligne budgétaire et genre pour des comptes traités. Deuxièmement, pour que, comme ça, les OP à bureau là, pour que vous renouvelez comme là, vous payez au l'autre mois, il faut bailler un rapport de payroll pour faire dans la question, et c'est à partir de là que vous devez faire réquisition. Parce que l'ULCC, par respecter la confidentialité, il a bon bagage dans la rue, alors que s'il était invité, il était vérifié, il a pour être M. Messa. Et c'est là, en 2020, je me demande de chaque année, dernier fois agir en 2020, parce que ça, il est obligé de courir avec à la liturgie. Et depuis là, ça ne va pas encore, parce qu'il n'a jamais occupé. La Chambre du pays, une institution qui a une règle, qui a une loi, mais ça peut faire. Et c'est là ça, maman qui était du roi, je ne suis pas capable. Il y a Blaise Jean-Pierre qui remplaçait le roi, et jusqu'à présent, c'est le chef de l'Ukraine qui a fonctionné. Parce que le monde politique, il faut continuer de bourreau pour que le monde en recevoir. Il y a fait famille, le roi a fonctionné. Il a recevoir l'organisation féminine. Donc, gardez ça qu'il fait simplement la ça pendant deux ans qu'elle a fait, parce que la question est soulevée en 2021. Nadi, il a dit que en 2005, sous Gérard Lamontu, nous avons un monde qui était travail avec le premier ministre sous le décret qui formait l'ULCC. En 2012, avant qu'il était Sénat, avec le colonel Latouris, nous sommes dans le monde qui travaille sous la loi 2014. Là. En 2017, je réunis le responsable de l'ULCC, UGREF, le président Sénat. Je fais double budget parce que nous avons besoin d'institutions en fonction. Je vais faire voter pour UGREF, là, madame le président. Donc, les institutions sont importantes. Mais pas pour instrumentaliser, j'ai fait là. Il est important pour mener la bataille de corruption. D'ailleurs, moi, j'ai écrit l'ULCC pour Petro Canoli, pour Dermano, pour Sophie Dahl. Depuis 2018, j'ai tout accusé exceptionnel. Je ne vais jamais répondre. Il y a des bagages que le peuple attend. Les gars, vous pensez que. Parce que nous avons mené des enquêtes, vous devez persécuter nous pour ça. Vous devez faire un matraquage politique. Vous devez faire un travail comme ça. Et nous avons arrivé à ce qu'on aime en tant que société. Vous devez faire un travail comme ça. Et si nous sénateurs, on va faire un travail, vous n'avez pas besoin de persécuter pour 244 000 gouttes. Que tout sénateur recevoir, tout notre sénateur recevoir chaque là. Moi, des sénateurs de loi, moi, des sénateurs du monde, moi, des n'importe qui sénateur. Je demande des journalistes qui étaient dans la chambre. Si vous avez fait un bureau, ça va. Je demande des gens. Il n'y a pas besoin de persécuter pour 250 moins que 2 000 dollars. Pas besoin de faire ça. Il faut enquête, moi je voyais. Si nous n'avons pas d'accord avec la maladie, au moins il n'y a jamais de question. Et moi je pense que la loi est une pour tous. La loi est une pour tous. Si tu as vraiment fait enquête, il y a ce qu'il doit garder la procédure dans le Sénat. Il m'a demandé de changer la procédure.
Il a même souhaité que tu as changé règlement, loi Sénat. Mais elle n'est pas capable, à partir de loi existence, essayer de pointer du doigt au monde, alors que tout sénateur est dans la même situation. Il va faire ça. C'est ça qui va. Parce que l'institution, ça va là pour mener un travail institutionnel. Et je dis à ma dit que l'ILCC pour la question ça, surtout la question passeport. Pour nous la guerre comme ça, peut-être moi, je vais faire ça, il a besoin de jouer le jeudi. Il a besoin de jouer. Ma dit, j'ai mon latin de je me dis, monsieur, fais attention à ça. Fais attention. Parce que dommage, je fais déjà. Je dis à moi que je comprends que je peux pas faire mourir pour son côté, mais je ne veux pas. Et c'est vrai que ça m'a dit que je dis à la poste, ma demande pour l'institution, ressaisir, revérifier l'information. Travail vite pour que si il y a une procédure dans l'administration, pas bon, remettez-le, recommandez-le. Vous proposez des lois, code d'éthique, l'ULCC, code d'éthique là, vous mettez le sous-pied, faites. Et puis là, ça a dit qu'on a connu les lois. Et là, ça a agi. Mais après, ça n'a pas aucune valeur, c'est des rapports à classer, parce que le parti, son matraquage politique. Je vais faire ce je dis à madame, vous parler de ça. Mais l'important, on est pour responsabilité. Parce que moi, je fais regret de gestion, moi, de dire, depuis les sanctions, la série de l'institution, la série de l'entreprise. Mais l'important pour me dire ça, parce que moi, je dis, l'homme débrouillé comme ça, l'homme dans l'ULCC, je travaille le plus rapidement possible pour nous remettre comme là. Et je dis à moi, dis-nous, tout journaliste qui l'a dit, tout le peuple ici, tout le monde qui attendait, ferme la torture, pas de l'eau là encore. Ferme la porte, payer l'honneur comme il était pour là. Ferme la porte, demander un prêt de 70 millions de gouttes. Il était payé l'aide à recevoir comme là les frais de DGI, d'assurance de notaire, il était recevoir 62 millions de gouttes. Il paye un intérêt de 8,884,671 gouttes. À tout nous payer 78,884,671 nous devons payer pendant 10 ans. Mais ferme nos faits fort. Nous payons pendant 5 ans. Nous faisons toute façon. Et nous devons avoir un exemple de la citoyenne, nous-mêmes qui l'avons. Mes fermes, c'est une ferme moderne. M'a demandé qu'on monde soit allé dans ce domaine ou pas pour la vie. Nous devons les meilleurs pour la vie. Meilleurs encore pour nous devenir en Haïti. Ferme-là, il a commencé en 2016. Il a pris le bel moment. Il a été en gare artisanale. Là, en 2018, il a pris des problèmes. Le Sahara, nous venons en gare industrielle. J'ai commencé à 50 000 sur par jour. Nous venons en capacité installée de 250 000 sur par jour. Et dans l'année 2020, nous avons produit 150 000 sur par jour. Mais chaque jour levé, n'importe qui interview a fait, sénateur, il dit vous voulez comme nous. Sénateur, il dit comme ça, c'est maman qui prête. Maman, c'est 30 ans, il y a 80. Il va peut-être remettre la maison de qui nous avons prêté encore. Garantie à ces fermes-là pour garantir à ces gens-là. Ces fermes-là qui garantissent. Si tu ne pas payer ou bien défaut, il y a plus de fermes-là. Oui. Parce que ferme-là, c'est en 2016. Oui. Nous ne pouvons pas faire back. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que vous m'avez craqué.
yo joué. N'importe qui va parler au final interview ou voler comme l'on a.